On a des belles ombres aussi avec les enfin, pas là, mais avec Stutch. Et voilà, en général, elle y est. Comme ça. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'avec la montée donc, et la descente des eaux, c'est que parfois, elles sont totalement immergées, on ne les voit plus, tu vois. Mm-hmm. Et c'est assez chouette. C'est beau. Ouais, ça donne bien. C'est un endroit symbolique. Exactement. Donc l'enfer et le paradis, c'est. Pardon ? Tu es du côté du paradis. Ah ouais. Tu sais ça ? Non, je savais pas du tout. Non. L'or c'est du côté du paradis. Ah non. Et le gris du côté de l'enfer. Ah oui, c'est rigolo ça. Tu ne savais pas ça ? Non. J'aime bien quand elle frôle, enfin quand je les installe, elle frôle à peine l'eau, mais après voilà, elle va s'immerger. Alors, mon côté préféré, c'est quand même quand elle est à l'endroit. Pour moi, ça, c'est l'envers. Elle est toujours cocotte. Voilà, ça, c'est l'endroit. Wouhou! C'est magnifique de voir les cloches en même temps. Un film, mais qui parlerait à la fois des sculptures et à la fois de la ville de Venise, des migrants, des travailleurs, enfin vraiment réfléchir sur le concept et comment lier peut-être une sorte de documentaire, mais qui sera un peu artistique. Et surtout, je pense, collaborer, quoi, parce que tout seul, ça... Ah oui, d'accord, mélanger des images avec migrants et... Peut-être pas que des migrants, mais peut-être voilà, la ville, les structures, l'arsenal, des enfants qui jouent, enfin l'époque quoi. Peut-être montrer l'époque et en même temps, toutes ces pièces aussi dans l'eau, faire quelque chose à partir de l'eau, quoi, la relation aussi avec l'eau. Et,